السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. هذا الفيديو تلقاكم وانتم في احسن حال. الوغ كيف ما وعدتكم غادي نحاول انني كل نهار نحط لكم فيديو ان شاء الله. نتمنى يكونوا هاد لي فيديو تنفعكم. الوغ بلا نبداو المراجعه ديالنا ونبداو بالدعاء والاول. الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألوغ كيف ما لاحظتوا غادي نبداو بلادجيكتيف كاليفيكاتيف. اليوم غادي نهضروا على لادجيكتيف كاليفيكاتيف. أشنا هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ كونت إسكو ليتوليز؟ أشنا هو الهدف منه؟ وأشنا هما لي فونكسيون ديالو؟ ولا أشنا هما الأنواع لي تيب ديالو؟ Alors, un adjectif qualificatif, c'est un mot qu'on utilise pour qualifier un nom, d'accord? Pour donner plus d'informations à le nom, pour préciser un nom. Yani, là, je t'ai dit l'adjectif qualificatif, là, un nom, d'accord? En arabe, on dit un net. C'est bon? Alors, l'adjectif qualificatif, il sert à qualifier un nom, à préciser un nom. يعني je ne peux pas parler d'un adjectif qualificatif, mais qu'est-ce que l'on a dans l'adjectif qualificatif? Il a ma hdoch, il a le nom. Ils sont toujours côté à côté. D'accord? Alors, l'adjectif qualificatif, on va, je vais vous donner un exemple. Regardez, par exemple, si on dit c'est une. C'est une fille. Heureuse et le deuxième exemple cette fille est heureuse. Alors regardez quelle est la différence entre les deux. Alors, où est le nom? Donc, أول حاجة, puisque le nom c'est le noyau du groupe nominal, يعني أول حاجة هو أنني je dois identifier le nom. خاصني نمشي نقلب على le nom. Ha. C'est une fille, donc le nom c'est, ou le groupe nominal c'est une fille. C'est une fille heureuse. Voici l'adjectif qualificatif. Comment est la fille? On répond à la question comment la fille est heureuse. Regardez la deuxième phrase. Cette fille est heureuse. Le noyau, c'est le nom. Moi, cette fille. Bien sûr, heureuse, c'est l'adjectif qualificatif. Mais regardez la différence entre ces deux. Alors, c'est une fille heureuse. Cette fille est heureuse. Quelle est la différence entre les deux? Regardez l'emplacement de l'adjectif qualificatif avec le nom. L'adjectif qualificatif dans le premier exemple est juste à côté du nom. Il n'y a rien qui les sépare. D'accord? Par contre, dans la deuxième phrase ou dans le deuxième exemple, on a l'adjectif qualificatif est séparé du nom. Par quoi? Par un verbe. Donc, il y a un verbe qui sépare l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie ou qu'il accompagne. Donc, le premier adjectif qui est juste à côté du nom, qui n'est pas séparé du nom, on l'appelle un adjectif qualificatif épithète. Un adjectif qualificatif épithète, c'est un adjectif qui est juste à côté du nom, qui n'est pas séparé du nom, d'accord? Mais qui est le nom qu'il qualifie. Par contre, le deuxième adjectif qualificatif qui est séparé du nom qualifié par un verbe, on l'appelle un adjectif qualificatif attribut. Un adjectif qualificatif attribut, c'est un adjectif qui est séparé du nom par un verbe. Est-ce que c'est n'importe quel verbe? Non, c'est un verbe d'état. On l'appelle un verbe d'état. D'accord? Il n'y a pas seulement le verbe être pour les verbes d'état. Il y a le verbe être. Il y a le verbe
paraître. Il y a le verbe sembler. Il y a le verbe demeurer. Il y a le verbe devenir. Donc, 5. Il y a le verbe devenir, rester. Être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester. Et l'expression avoir l'air. D'accord? Donc, voici les verbes d'état qui séparent le nom qualifié et l'adjectif qualificatif attribué. Donc, chaque fois que je trouve un verbe d'état suivi d'un adjectif, il doit être un adjectif qualificatif attribué. Ils sont toujours suivis d'un adjectif attribué. D'accord? Ça, c'est le premier point. C'est faire la différence entre un adjectif épithète et un adjectif attribué. L'adjectif épithète est juste à côté du nom. L'adjectif attribut est séparé du nom qualifié par un verbe d'état. D'accord? Voilà, c'est ça le premier point. Le deuxième point qu'on va voir dans cette leçon, c'est l'accord. L'accord de l'adjectif qualificatif. On a dit au début que l'adjectif qualificatif s'accorde, qualifie un nom. Et en arabe, on dit que c'est net. En arabe, vous dites net, tabi'u liman'outi. D'accord? Il suit son nom. C'est la même chose pour l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre. Quand je dis le genre, ça veut dire masculin ou féminin. Et en nombre, quand je dis le nombre, ça veut dire, singulier ou pluriel. Avec quoi? Avec le nom qualifié. Avec le nom qualifié. Pour cela, pour savoir comment je vais accorder l'adjectif qualificatif avec le nom, j'ai donné un tableau, je l'appelle le tableau magique pour mes élèves. Voilà, je vais vous le donner aussi. C'est un tableau dans lequel on va mettre le genre et le nombre de l'adjectif. Est-ce que du nom qualifié, est-ce que c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel? Alors, si le nom qualifié est masculin singulier, on laisse l'adjectif comme il est. Si le nom qualifié est féminin singulier, l'adjectif qualificatif prend un E. Si le nom qualifié est masculin pluriel, on ajoute un S à l'adjectif qualificatif. Et si le nom est féminin pluriel, on ajoute le E du féminin plus le S du pluriel. C'est bon? Alors, je vais vous donner un petit exemple ici. Regardez si on dit un grand frère. Frère, c'est le nom qualifié. C'est un nom masculin singulier. D'accord? Alors, l'adjectif qualificatif restera inchangeable, l'adjectif qualificatif, on n'a rien ajouté en grand. Par contre, si on a dit sœur, si on veut parler de la sœur, donc bien sûr, on dit une sœur, mais grand, est-ce qu'il va rester invariable? Est-ce qu'on va laisser l'adjectif qualificatif? Alors, sœur, c'est un nom féminin singulier. Alors,
pour l'adjectif qualificatif, il ne va pas rester le même. Bien sûr, il doit changer. Puisque le nom est féminin singulier, j'ai directement l'adjectif, le tableau magique d'elle. Le nom qualifié, c'est féminin singulier. Féminin singulier. Qu'est-ce que je vais ajouter à l'adjectif? Je vais ajouter un E. Et voilà, une grande sœur. C'est la même chose si on veut mettre au pluriel. Si on a des frères. Des frères. C'est un nom masculin mais pluriel. Masculin pluriel, qu'est-ce qu'on va ajouter à l'adjectif qualificatif? Il doit s'accorder, il va prendre la marque du pluriel CS. D'accord? Si on veut transformer la même chose, sœur, au lieu de dire une sœur, on va dire des sœurs. C'est un nom féminin, mais ce n'est pas singulier, c'est pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire? Féminin pluriel, on va ajouter le ES. Regardez, il y a déjà le E et on va ajouter le S. D'accord? Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Yani, le nom qualifié, sans genre et sans nombre. Si c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel, vous devez apprendre ce tableau magique. Yani, chaque fois que vous avez un exercice, d'accord, comme chez la feuille de brouillon, je trace le tableau magique. D'accord? Pour ne pas commettre de faute, la tâche facile. D'accord? Hada concernant l'accord. La troisième chose, ou le troisième point, ce sont des cas exceptionnels que je dois vous donner. Je vais effacer seulement l'exemple. Je vais vous donner comme le tableau magique si vous voulez le noter. Alors, il y a des cas, il y a des adjectifs qui changent totalement d'écriture, de graphie. Par exemple, on a l'adjectif qualificatif beau. C'est au masculin singulier. Au féminin singulier, on ne dit pas beau avec un E, ça change et on dit belle. D'accord? La même chose pour l'adjectif qualificatif vieux. On prend un X. Au féminin singulier, on ne dit pas vieuse. Non, on dit vieille. Une vieille dame. D'accord? Il y a les adjectifs qualificatifs qui se terminent par F. Au masculin singulier. Au féminin, plutôt au masculin. Au féminin, ça change. On ne met pas le F, on dit le V. D'accord? Un tablier neuf, une blouse neuve. D'accord? Il y a aussi les adjectifs en C, les adjectifs en S. Au féminin, ça change et on met le CHE. Blanc, blanche, sec. Sèche, frais, fraîche, d'accord? Il y a aussi les adjectifs qui se terminent par EUX. Pour le masculin, EUX. Pour le féminin, ça change. On enlève le X et on met à la place ESE. Heureux, heureuse, d'accord? Voilà, c'est tout ce qui concerne l'adjectif qualificatif. Bien sûr, tanhaoul anani natikoum des points comme ça pour vous aider. Alors, maintenant, qu'on nous fait tout, s'il vous plaît, il y a quand même un problème, n'hésitez pas, si vous avez des messages, on va vous expliquer. Yani, ne laissez pas les complications qui s'accumulent. D'accord? Partagez la vidéo avec les amis. Il y a des gens qui ont beaucoup de talamides, beaucoup de gens qui ont besoin de ces vidéos. يكونوا سامبل ومشروحين en arabe et en français en même temps. Alors, نتمنى نكون تنفيدكم. السلام عليكم et bonne chance.